Calculer avec des puissances, vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexane du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes, je vais faire de vous des experts en la matière. Commençons par le commencement. Le nombre suivant se lit 3 puissance 6 ou 3 exposant 6. 3 est le nombre, 6 est l'exposant. Cette écriture est un moyen rapide d'écrire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Le produit de 3 par lui-même 6 fois. La puissance d'un nombre, c'est une écriture très pratique et très rapide. Je veux dire, entre 2 exposant 100 et 2 fois 2 fois 2 100 fois, qu'est-ce que vous préférez écrire sur votre cahier? Personnellement, j'ai une petite préférence pour la première option. Dans cette vidéo, on va voir comment manipuler ces puissances. On va décomposer ça en 3 parties. On va commencer par s'occuper de la multiplication entre 2 puissances d'un même nombre. Puis on va s'intéresser au quotient de 2 puissances d'un même nombre. Et on va finir par la puissance d'une puissance. Avant de commencer à parler de la multiplication, j'aimerais revenir sur quelque chose que je viens juste de dire et qui est très important. Dans cette vidéo, on va s'occuper de la multiplication et du quotient de 2 puissances d'un même nombre. Il faut qu'on ait le même nombre ici et là pour utiliser ce que je vais vous expliquer, ne l'oubliez pas. Allez, assez parlé, multiplions ensemble 2 puissances. On va par exemple effectuer le produit suivant. 10 puissance 4 fois 10 puissance 5. On remarque qu'on a ici une puissance de 10 multipliée par une autre puissance de 10. Ces deux puissances sont bien des puissances d'un même nombre. On va donc pouvoir simplifier cette écriture. Étape 1, on écrit ce que ces deux puissances signifient. 10 puissance 4, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on multiplie 10 par lui-même 4 fois. On peut donc remplacer 10 puissance 4 par 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 puissance 5, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on multiplie 10 par 10 5 fois. On peut donc remplacer 10 puissance 5 par 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ainsi, 10 puissance 4 fois 10 puissance 5, c'est égal à 10 fois 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 10. Étape 2, on compte le nombre de fois que le nombre est multiplié à lui-même. Ici, on multiplie en tout 10 par lui-même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Étape 3, on écrit le résultat sous forme d'une puissance. D'après l'étape précédente, on multiplie 10 par lui-même 9 fois. On peut donc l'écrire plus rapidement à l'aide des puissances. 10 puissance 9. Ainsi, 10 puissance 4 fois 10 puissance 5 égale 10 puissance 9. On vient de multiplier ensemble 2 puissances de 10. Penchons-nous maintenant sur le quotient de 2 puissances. On va par exemple réécrire le quotient suivant. 5 puissance 6 sur 5 puissance 3. Notez que ces deux puissances sont bien des puissances d'un même nombre, 5. Je le répète encore une fois, si on n'est pas dans ce cas, la méthode que je vais vous présenter ne fonctionne pas. Étape 1, on écrit ce que ces deux puissances signifient. 5 puissance 6, ça s'écrit aussi 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, 6 fois. 5 puissance 3, ça s'écrit aussi 5 fois 5 fois 5, 3 fois. Étape 2, on simplifie le plus possible en haut et en bas. 5 puissance 6 sur 5 puissance 3, c'est égal à 5 fois 5 fois 5 sur 1, c'est-à-dire à 5 fois 5 fois 5. Étape 3, on compte le nombre de fois que le nombre est multiplié par lui-même. Le nombre 5 est multiplié à lui-même 1, 2, 3 fois. Étape 4, on écrit le résultat sous forme d'une puissance. D'après l'étape précédente, on multiplie au final 5 par lui-même 3 fois, ce qu'on peut écrire plus simplement sous forme des puissances 5 puissance 3. Ainsi, 5 puissance 6 sur 5 puissance 3 est égal à 5 puissance 3. Pour finir, regardons un peu comment ça marche les puissances de puissance. On va par exemple essayer d'écrire plus simplement 7 puissance 3 puissance 4. Étape 1, on écrit ce que ces puissances signifient. Commençons par l'exposant le plus à l'extérieur, 4. Qu'est-ce que ça signifie 7 puissance 3 puissance 4? Qu'on met 7 puissance 3 à la puissance 4, donc qu'on multiplie 7 puissance 3 par lui-même 4 fois. Ainsi, 7 puissance 3 puissance 4 est égal à 7 puissance 3 fois 7 puissance 3 fois 7 puissance 3 fois 7 puissance 3 4 fois. Qu'est-ce que signifie désormais l'écriture 7 puissance 3? Qu'on multiplie 7 par lui-même 3 fois. On a donc 7 puissance 3 est égal à 7 fois 7 fois 7 3 fois. Ainsi, 7 puissance 3 puissance 4 est égal à 7 fois 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 7. Étape 2, on compte le nombre de fois que le nombre est multiplié par lui-même. Ici, on multiplie 7 à lui-même, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. Étape 3, on écrit le résultat sous forme d'une puissance. D'après l'étape précédente, on multiplie 7 par lui-même 12 fois. On peut l'écrire plus rapidement à l'aide des puissances. 7 puissance 12. Ainsi, 7 puissance 3 puissance 4 est égal à 7 puissance 12. Des questions? Manipuler des puissances, c'est encore flou pour vous?
N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me donniez sous la forme d'une seule puissance le nombre 4 puissance 3 fois 4 puissance 8 sur 4 puissance 6. Comme d'habitude, j'attends votre réponse en commentaire. Un petit indice, commencez par la multiplication. Sur ce, bon courage à vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de maths.